Bonjour à toi, chers spectateurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous faire un top. J'ai décidé de laisser la parole à des experts, des très grands experts du cinéma. Non, je plaisante. Des personnes qui sont très très amoureuses du cinéma comme moi et qui ont participé à des chroniques cette année. Donc je trouvais que c'était intéressant de les ramener pour qu'ils fassent eux aussi leur top et que vous voyez des choses un petit peu plus différentes que ce que j'ai à vous offrir. Parce que voilà, l'égocentrisme, ça marche 2 secondes, mais il y a un moment où il faut arrêter. Donc, autour de cette table, nous avons Fabien Condamina, que vous connaissez très très bien. Puisqu'il participe activement à l'avenir de la chaîne. Producteur de la chaîne maintenant, ouais, même. Ça. En fait, oui, maintenant je crédite à chaque fois, à chaque générique, il est marqué producteur. C'est plus pratique. Donc, qui est réalisateur et qui est fan de cinéma. Ouais. Voilà. Capucine, oui. Donc Miss 40 000 vues, comme je l'appelle, puisqu'elle a quand même participé à ce que la vidéo d'Aladin fasse plus de 40 000 vues actuellement. Donc voilà. Ancienne chroniqueuse cinéma à Reims TV et ouais. Fan de cinéma avéré. Oui, évidemment. Et seule présence féminine de la chaîne, quasiment, il faut le reconnaître aussi. C'est vrai, je défends la cause féminine. Et Hugo Joubert, grand amoureux de Terminator, qui a été aussi désespéré que moi par Terminator Genesis, et qui est ici, évidemment, parce que lui aussi est fan de cinéma. Eh bien, j'ai envie de vous dire, la parole va être à vous. Je vais vous libérer chacun un petit temps de créneau pour que vous puissiez donner vos tops, et ensuite on reviendra un petit peu sur certains choix que vous avez fait dans vos tops. Commençons par toi, Hugo. Quel est ton top 5 de cette année ? En partant par le cinquième. En partant par le cinquième, évidemment, histoire de teaser un petit peu. Voilà, j'ai commencé par We Are Your Friends, qui est sorti cet été et qui m'a agréablement surpris. Je suis allé le voir un peu par dépit, je dirais. Ouais. Et j'en suis ressorti content. Agréablement surpris, voilà, par l'acteur Zac Efron qui, voilà, à l'image de Zac Efron qu'on connaît avec High School Musical et autres films un peu moins bien. Et là, j'ai été vraiment très surpris et de la façon dont ça parle de la musique, ça m'a bien plu. Donc voilà, en cinquième. En quatrième, j'ai choisi Les Dissociés, donc qui n'est pas sorti au cinéma, je sais. Oui, mais c'est vrai que c'est un film qui ressort beaucoup dans les tops de pas mal de rédactions. Et là, j'ai beaucoup aimé parce que je suis un grand fan de Suricat et de ce qu'ils font depuis leur début. Et là, ça a été vraiment le film, pour une fois qu'on peut avoir un film qui sort sur une plateforme internet qui est YouTube, français en plus, histoire de faire un peu chauvin. Les Dissociés m'a beaucoup plu. En troisième position, à égalité, j'ai mis Mad Max et Chappie. Je sais que ça fait rire beaucoup de personnes et désespérer beaucoup d'autres, mais voilà, Chappie, j'ai adoré parce que Diane Trud et parce que l'histoire et parce que le robot, je le trouve vraiment génial. Et à côté de ça, j'ai mis Mad Max parce que bah voilà, je sais que j'ai besoin d'expliquer pourquoi Mad Max est bien, autant visuellement que les acteurs. Voilà. En deuxième, j'ai mis The Visit de Shyamalan, qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu, parce que j'attendais un retour de Shyamalan, parce que les derniers films m'ont pas vraiment transcendé. Et là, j'ai été convaincu pleinement du début à la fin, dès que ça a commencé jusqu'à la dernière minute. Il faut rester jusqu'à la fin, regarder tout le film, jusqu'au générique, parce que c'est à la fois très drôle, et à la fois c'est un très bon film de suspense et d'horreur. Et en premier, j'ai mis Star Wars. Tu as mis Star Wars. Oui, je le dis. Il a mis Star Wars 7 en premier. Voilà, j'ose le dire face caméra, j'ai mis Star Wars en premier dans mon top 10. Parce que j'attendais, parce que Star Wars, parce que John Boyega et Daisy Ridley, parce que J.J. Abrams, voilà. Ouais, c'est très bien dit ça. Ok, on va revenir un petit peu sur les choix que tu as fait ensuite. Là, c'est vraiment histoire d'évoquer l'étape. Capucine. Alors moi en cinquième j'ai mis The Voices, parce que donc le casting, l'humour et Monsieur Moustache est juste très attachant. En quatrième j'ai mis Agents très spéciaux Code Uncle, parce que voilà, c'est du Guy Ritchie comme on aime, de l'humour, pareil de l'action, puis le casting qui est juste aussi formidable, le duo marche très bien. Mm-hmm. En troisième j'ai mis Le Voyage d'Arlo, un petit Disney bien sûr, je pouvais pas ne pas en mettre un. Et j'ai choisi celui-là au lieu de vice versa parce que je l'ai trouvé plus touchant et plus émouvant. Et en deuxième, Mad Max, bien sûr. Forcément, ça m'aurait mais ce film-là, ce qui est marrant, c'est que je l'attendais pas du tout de base. J'étais un peu, bon, bah c'est tout, j'y vais parce que tout le monde parle de Mad Max. C'est vrai que tu disais un petit peu, je me rappelle à l'entrée de la salle, que ça avait l'air d'être un délire beauf à la Fast and Furious. Et que tu t'es dit, ouais, c'est Fast and Furious avec des gens à poil et des mecs gothiques, quoi. Voilà. Et en fait, je suis ressortie avec la banane, c'est genre, on le revoit quand. Donc voilà. Et en premier, Kingsman, Service Secret. Parce que c'est le gros coup de cœur de l'année. Pour moi, il réunit tout ce qu'il faut pour réussir un bon film. Casting, humour, action, enfin. La scène de l'église, je suis désolée, mais elle est tellement mythique. Enfin voilà.
mon petit top 5. Ok, très bien. Là aussi, il y a des choses très intéressantes. Fabien Condamina, quel est votre top 5 de l'année 2015? Donc en 5, j'ai mis Le Voyage d'Arlo aussi dans mon top 5. Pareil, parce que Pixar, moi, me bluffe à chaque fois, même s'il y a eu des pertes de vitesse sur certains films. Et là, cette année, ils sont revenus en force. Pareil que Capu, je suis d'accord que Vice Versa a eu un succès plus florissant et qu'il est beaucoup plus original que d'autres au niveau du scénar. Mais Arlo, voilà, pareil, c'est la petite Madeleine de Proust qui m'a plus touché, qui était beaucoup plus convaincant pour moi. Peut-être parce que j'ai grandi le petit pied, donc ça a peut-être joué aussi. Non, mais indirectement, ça, je pense que ça y a joué aussi. Mais, et puis visuellement, c'était une claque parce que le photoréalisme était ouf. Et franchement, on avait atteint un niveau là qui était dingue, ouais. J'ai trouvé. En 4, j'ai mis It Follows. Donc, qui est pour moi, et peut-être pas pour Hugo, un très bon film, parce que pour moi, c'est on revient aux sources, à l'essence même de ce qu'étaient les films d'épouvante à la John Carpenter, par exemple, où là, vraiment, on crée une ambiance et on a peur de ce qu'on ne voit pas, en fait. Et c'est pas juste du slasher pour être du slasher ou pour faire bondir, c'est une présence, et pour moi, c'est pas le montage qui va te faire peur, mais c'est l'histoire et ce qu'il va y avoir autour. Donc j'ai mis celui en 4. En 3, j'ai mis The Voices, qui était pour moi une surprise totale, parce que c'est vrai que je suis pas un grand fan de la filmo de Marjane Chatrapi. Elle en a fait qu'un. Elle en a fait trois avec The Voices. Elle a fait Persepolis, elle a fait Poulet aux prunes. J'avais vu que Persepolis, du coup. Et là, pour moi, c'est la révélation de Ryan Reynolds. Pour moi, c'est le film, franchement, où je me suis dit, c'est un putain d'acteur, en fait. Ça change de Green Lantern, quoi. Et qui a dû mettre son CV pour Deadpool qui va arriver cette année, je pense. Ouais. Enfin, je pense. Et dans ce film-là, ouais, c'est une comédie d'horreur comme je les aime. Et pareil, il faut rester jusqu'à la fin du film, jusqu'au générique, parce que c'est le meilleur générique qu'il y a eu de l'année 2015. C'est vrai, ça l'a tué, c'était énorme. Et puis le casting était bien, il y avait Jemma Interton, il y avait Anna Kendrick, et voilà, il y avait toute une relation entre le bien et le mal, entre un chat et un chien transposé aussi dans ça, entre ce qu'un psy peut vous apporter et ce qu'il peut vous enlever aussi, et franchement, voilà, il était vraiment parfait pour moi. En 2, Birdman, qui est pour moi le film des cinéphiles dans un sens de 2015, dans le sens où c'est un film métaphysique qui va parler de ce qu'est l'essence même de l'art, donc ça va parler du théâtre, ça va parler du cinéma, et ça va parler de l'être humain en fait, parce que toute la complexité de tous ces arts-là, c'est les humains, et comment ils réagissent, comment ils vont évoluer, et comment ils sont face à ça. Et le retour de Michael Keaton était juste grandiose. Et puis fan des Batman, forcément, dans le film, ça parle forcément de Batman indirectement, mais on va pas se le cacher, on le sait bien. Et c'était pour moi la plus grosse claque de l'année, en tout cas au début de 2015. Mais est arrivé le top 1, qui est pour moi Mad Max, qui est la claque visuelle, la claque en tout point, parce que George Miller, putain, je le redis encore une fois, 70 ans, il a encore tout compris, et il ressort un nouveau Mad Max, mais avec tout ce qui marche aujourd'hui, et même voir un peu plus, même si c'est simple, au final, il vaut plus que ce qu'il est. Okay, voilà, oui. Mad Max en premier. Bon, bah c'est des tops qui sont très différents les uns des autres, même s'il y a 2-3 points communs. Alors, on va d'abord commencer par les vrais trucs intéressants, c'est-à-dire leurs premiers, parce que chacun, ils sont assez différents. Alors, Hugo, même si je sais qu'à mon avis, je sens déjà que dans les commentaires, oui, ça s'active, ah, et que oui, les gens oui, sont oui, en train de dire « Oh mon Dieu, il a mis Star Wars, quel affront, quel scandale, c'est un connard !» Explique-nous justement pourquoi Star Wars mérite une première place selon toi. Alors, beaucoup disent qu'il n'y a aucune surprise et que très clairement le scénario, c'est le scénario du 4. Mais personnellement, je ne m'attendais pas à une surprise. Je m'attendais à un grand retour de Star Wars, parce que ça fait quand même quelques années que c'est absent. Et le dernier que j'ai vu au cinéma, c'est-à-dire le 3, m'avait pas plus transcendé que ça. Enfin, la première trilogie, enfin la trilogie du 1, 2, 3 m'ont plu. Malgré ses gros défauts, mais je m'attendais quand même à un vrai retour de Star Wars, et là je l'ai eu, clairement. La nouvelle génération d'acteurs, la musique, j'étais scotché à mon siège dès le début. Même au niveau de la réalisation, il y a des choses que je trouve très très bien, les décors, enfin, tout m'a plu en fin de compte dans ce film, d'où le fait que je l'ai mis premier. Et même si ça reste sans surprise, je dirais. Il y a quand même de très très bonnes choses et il mérite sa première place. Pour moi, en tout cas. Tu penses que la nostalgie joue beaucoup sur ce choix, justement, de mettre premier ? Clairement, étant grand fan de Star Wars, bon, beaucoup moins que certains que j'ai pu voir au cinéma qui sont sortis en hurlant que c'était nul à chier et que c'était une honte. Et j'ai vu ça. je pense que, il y a la nostalgie à jouer. Mais après, c'est la référence aussi à savoir est-ce qu'on se base. Donc, notre génération était bercée plus sur les 1, 2, 3.
que oui. La première trilogie. Moi personnellement, 4, 5, 6. J'ai plus grandi avec les 4, enfin, avec les 4, 5, 6 que les 1, 2, 3. Et donc déjà, il y a deux types de fans quand tu. Moi, je trouve qu'il y a deux types de fans. Il y a ceux qui sont fans de la saga, la première saga la plus ancienne, et la saga la plus récente. Et je pense que ceux qui ont crié au scandale, c'est ceux qui ont, pour moi, apprécié plus le retour de George Lucas dans la deuxième trilogie. Indirectement. Ah oui, complètement. Parce que ce Star Wars 7, donc moi, je l'ai pas mis dans mon top 10 non plus, je l'ai revu dans un top 10, mais pour moi, il reste simple. Après, il n'est pas aussi révolutionnaire que je l'attendais, c'est un peu le point faible du film pour moi. Mais il marche, et en fait, il marche parce qu'il se rattache très bien à la suite, donc qui est ouais. 4, 5, 6. Et visuellement, et même dans la mise en scène, dans tout ce qu'il peut y avoir, les effets plateaux, les costumes, tout ça, tu te dis pas il y a eu 30 ans entre les deux, quoi. Tu te dis non, J.J. Abrams, il a fait un travail de ouf, en tant que fanboy, forcément. Oui, on voit quand même que même J.J. Abrams a grandi avec Star Wars, enfin, toutes les références qu'il fait, le fait qu'il ait repris voilà, des personnages au lieu de mettre de la 3D partout, comme a pu le faire la trilogie du 1, 2, 3. Là, on a des décors, des costumes, et même le petit robot qui a été construit pour de vrai. Oui, c'est vrai. Sans abuser de la 3D et de Jar Jar Binks. Et il a été soigné des flares, des lens flares, ça je suis content. Oui, il s'est calmé avec c'est dans Star Trek, c'était une horreur. Non, mais c'est vrai qu'au final, ouais, enfin, moi c'est un truc que j'avais beaucoup remarqué, notamment avec les critiques YouTube américains. La plupart des critiques YouTube américains ont mis numéro 1 Star Wars 7. Parce qu'en fait, ils considèrent que dans un top, c'est pas forcément un avis critique qui doit jouer, et que c'est un avis personnel. Voilà. Et là, dans ce cas-là, c'est pour ça que je comprends que ça puisse être numéro 1 dans ton top, là, complètement. Capucine, Kingsman. Oui, Kingsman, c'est le gros coup de cœur de l'année. C'est vrai que quand on avait fait le top de la mi-année, c'était Oriane qui avait mis Ouais, c'est Oriane qui avait mis dedans. Moi, il était dans ma réserve pour mon top 10. Non, mais dans les films que j'avais appréciés, c'est vrai qu'il a l'English touch qui est énorme, parce que le casting était vraiment très bien. Le jeune, donc la révélation qui était... je sais comment il s'appelle, le jeune qui jouait là... Taron Egerton. C'est bien. Ça, j'ai perdu son nom. Qui part avec un peu un côté bad boys, et pour moi, non, ça marche bien. Franchement, ouais, j'avais bien. Mais il y a beaucoup de charisme, cet acteur-là, et je trouve même l'ensemble, enfin, avec Colin Firth, je suis obligée de parler de Colin Firth. Oui, bah oui, ça m'aurait étonné que tu parles pas de Colin Firth, tiens. Faudrait que tu parles de Colin Firth que... Samuel L. Dax. Non, celui qu'on parlait tout à l'heure, Tom Hiddleston, je préfère... Oui. D'accord, non mais je veux dire, le zozotement de Samuel L. Jackson est juste à mourir de rire. Oui. Je m'y attendais pas du tout et j'ai beau le revoir à chaque fois, mais je suis toujours surprise de le voir parler comme ça et j'ai l'impression qu'à chaque fois je le redécouvre. Je pense que je bousille mon DVD, je m'en fous, mais je sais pas, c'est le gros coup de cœur. Il y a de l'action quand il faut, il y a les touches d'humour qu'il faut et. Et puis il y a le petit charme à l'anglaise quoi aussi. Et, Oui. Puis tu parlais aussi de la scène de l'église qui est vraiment très. Oui, très alors bien, la scène de l'église, contre, moi elle m'a donné des frissons. Ouais. Mais vraiment, tout le temps j'avais la banne, c'est genre, c'est le gros délire, c'est génial. J'étais toujours, mais c'est magnifique. Je vais dire, mais le film il a basculé en quoi? En fait, non, c'est vraiment une séquence qui est un peu à part par rapport aux autres, je trouve. Mm. Et juste, ça va dégénérer en un truc à la Kick-Ass. Parce que c'est vrai que je trouvais que la première fois que j'avais vu la bande-annonce de ce film là, j'avais un petit relan de Kick-Ass en fait. Dont l'amener, dont la. La réalisation était faite dans le montage d'un côté punchy et d'un côté un peu agent secret plus que super-héros, mais agent secret dévergondé et totalement assumé quoi. Notamment avec une scène de fin avec la sodomie qui est c'est vrai. Magique, c'est vrai. Qui est bien drôle, hein. Oui. C'est vraiment drôle. C'est vrai. En fait, Samuel Jackson, c'était l'année de sa bite. Ah bah oui, ça c'est clair. Si on parle de suite Tarantino, quand vous verrez, je pense un peu ça aussi. Ah voilà, oui, le gros coup de cœur de l'année. Ouais. Alors, Fabien, même si moi j'ai développé de mon côté, c'est toujours bien d'avoir un autre avis. Et ça n'a pas changé vraiment depuis le top de la mi-année. Bah ouais, c'était pareil. Mais Mad Max Fury Road. Mm. Donc, vas-y, redis-nous pourquoi Mad Max Fury Road, une dernière fois. Une claque mécanique et visuelle. Non, bah oui, que dire. Donc moi, j'avais juste, pour la petite histoire, j'avais juste connu le 1, en fait, quand j'étais plus jeune. Et du coup, quand c'est revenu, j'avais vu que j'allais sortir le 4e, je me suis fait le 2 et le 3. Le 2 est pour moi mon préféré de la première des plus vieux. Mm-hmm. Et le 3 était un peu désespérant parce qu'ils avaient pioché tout ce qui marchait à l'époque. Donc je pense qu'il y avait un petit côté Indiana Jones et un petit côté. Il y avait voilà, plein de petits trucs qui étaient vraiment violés pour moi parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de sens. Mad Max 3 ? Ouais. Ah oui, Mad Max 3. Il y avait Tina Turner. Bref, il y avait un petit côté. On vous vole des idées, on refait notre film et je trouvais pas que c'était du Mad Max. Et puis là. Et puis en plus, c'était Jean-Michel Jarre qui avait fait la bande originale. Ouais. Jean-Michel Jarre et Tina Turner.
truc, ouais, c'était le truc le plus kitsch du monde, quoi. Aujourd'hui, ouais, ça marche plus, quoi. J'ai vu que le. Aujourd'hui, ça marche plus. Et George Miller, non, le mec, il a, je pense, il est resté dans son silence pendant un bout de temps. Il a dû regarder plein de choses, regarder plein de blockbusters, parce que forcément, je pense que ça doit être un très très grand amoureux de Avengers et de The Dark Knight, étrangement. Parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qui fait la recette de ce film-là. Ouais, il y a une profondeur à la Nolan, des fois. C'est couplé à un côté très personnel, en fait. Mais voilà, le seul point négatif, et encore pour moi, ça en était, j'arrive pas à m'en dire que c'est un, même peut-être pour faire plaisir à ceux qui cracheraient dessus à la limite, mais c'est le scénario simple. Mais non, Mad Max, c'est quoi? C'est limite un road movie en fait, c'est un point A, un point B, c'est le voyage, et ce qui est intéressant, c'est le voyage, c'est sûr, ça envoie tous les pâtés, ça crache, il y a du feu, il y a des explosions, des guitares géantes, il y a des guitares géantes, elle crache géniale, du feu, c'est tout ce délire combiné dans la patte graphique, parce que la séquence, tu es dans ton top de tes séquences, je crois, la séquence de la tempête, qui est juste énorme, quoi, avec je veux dire. La musique qui est derrière, c'est juste. C'est pas, que, bon, c'est pas du space opéra, mais c'est un désert opéra, quoi, ce film. Non mais voilà, il a quand même réussi à caser du Verdi là. Quand on voit le mec qui part à la recherche de Furiosa, genre dans le noir et tout ça, enfin il casse du Verdi. Enfin, je sais pas, moi ça m'a donné la charme. Oui, c'est vrai qu'il se met à tirer en l'air. Oui. C'est et il y a cette séquence qui reste encore un mystère pour moi, qui me fait trop penser à The Dark Crystal. Avec les mecs qui marchent sur des échasses. Ouais. Je sais pas d'où ça sort, c'est très poétique. Et moi ça m'a fait penser à Dark Crystal. Donc il y a plein de sources, il y a plein de trucs qui font que c'est renouvelé, mais dans le bon sens, quoi. Et ça personnellement, je pense que George Miller aussi un grand fan du Hellfest, et si jamais des gens du Hellfest nous écoutent, je veux voir la guitare du désert, de la scène dans le désert. Ça m'a inspiré beaucoup cette année. C'est ça, parce que clairement, là, je me suis dit, tiens, on a le droit à un Hellfest du désert au cinéma, quoi. Donc, voilà, je peux dire plus, c'était la claque de l'année pour moi, et pas le plus, on va pas dire que c'est le plus intéressant, parce qu'il y en a qui, c'est un film qui va diviser totalement, voilà, il y en a qui pensaient que c'était du Fast and Furious, il y en a qui pensaient que c'était un gros blockbuster à la Michael Bay qui valait pas trop 3 francs 6 sous, quoi. Mais au final, non, et puis le casting est voilà, très bien tenu, donc Tom Hardy, je crois qu'on a plus le droit. Charlize Theron. Moi c'est Nicolas Hoult aussi qui m'a beaucoup plu, j'adore. Donc Charlize Theron, maintenant je la préfère chauve, en fait, quand je la vois dans la pub, je me dis putain, elle est quand même meilleure chauve. Hein. Et au moins, prendre des mannequins pour ce film-là, il y avait un intérêt. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que, on a toute une tripotée de mannequins qui jouent les poules pondeuses. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'ils sont toutes très bien. Moi, j'ai envie de revenir sur un choix, quand même, que, bon, tu l'as mis à égalité avec Mad Max, mais je trouve c'est intéressant. Chappie. Ouais. Chappie. Alors, pourquoi Chappie? Pourquoi Chappie? Parce que, déjà, j'aime beaucoup Diane Trude. Toute l'image qu'ils ont autour d'eux et la musique qu'ils font. Pour les avoir vus en concert en plus l'année dernière. J'adore ce groupe, j'adore ce qu'ils font, même si beaucoup trouvent que soit c'est trop bourrin, soit c'est n'importe quoi, soit ça a aucun sens et c'est pas de la musique. Il y en a beaucoup qui le pensent, je pense, et du coup, non, moi c'est surtout ça. Et puis, le lien qui est créé avec le robot, cette espèce d'amour naissant entre le robot et sa famille d'adoption, j'ai envie de dire. Avec l'acteur, alors j'ai perdu le nom. Charlton Copley. Voilà. Tu penses à celui qui joue le robot ou Non, celui qui joue le. Je sais plus, mais oui. L'Indien, le créateur là. De Slumdog Millionaire. Oui. Voilà. Bah moi, je le connais surtout grâce à Skins. Oui, c'est vrai qu'il était connu. Pareil, quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et du coup, Chappie m'a beaucoup plu. La musique d'Hans Zimmer mélangée à celle de Diane Trude, ça crée quand même un certain choc, mais je trouve que ça a très bien marché. Les images sont très très belles, enfin, le décor est absolument, absolument magnifique. Mmh. Donc ça se passe à Johannesburg, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça très très beau. Et, Dev Patel. Voilà, merci. Voilà. Donc Dev Patel m'a aussi beaucoup plu, mais à chaque fois que je le vois, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire, bah, comme Nicolas Hoult dans Mad Max, quoi. Ces jeunes de Skins qui sont... Ah, c'est vrai que Nicolas Hoult avait aussi joué dans Skins, j'avais presque oublié. Dans la même période que Dev. Et du coup, les revoir ces deux-là dans des grosses productions, ça m'a fait énormément plaisir. Mais je t'avoue que moi, quand je repense à Chappie, je pense toujours à la coupe mulet de Hugh Jackman. De Hugh Jackman. Oui. C'est le truc que j'ai gardé en tête à la fin du film. C'est pour ça aussi que j'ai mis en troisième, parce que la tenue de Hugh Jackman. C'est vrai. Avec ses chaussettes montantes et son t-shirt. Il y a côté aventurier du pauvre, quoi. Tu sens que c'est un gros cliché qui est sorti de nulle part. C'est genre, oui, je suis un cliché des aventuriers des années 50. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis le bof qui a voulu faire Indiana Jones, mais je n'ai pas pu. J'ai beaucoup aimé les acteurs. Mais Chappie, il n'était pas dans mon top non plus, mais t'es dans mes réserves parce que j'adore ce que fait Naïve, donc Camp.
Mais j'ai, pour moi, le premier meilleur pour l'instant, c'est District 9, mais qui m'est plus déçu sur Elysium. Chappie revenait plus à ses sources, même si... on va dire que je trouve qu'à chaque fois, il prend le même univers, parce qu'il adore Johannesburg. Mais il adore Johannesburg, il adore la mettre dans le futur, il adore lui donner un contexte très politique. Un petit peu, ouais, aussi. Et je trouvais que là, il est bien ressorti, et il avait une vision assez intéressante de l'intelligence artificielle. Et avec Chappie, je trouvais que ce qui était intéressant, c'était de le mettre vraiment comme un gosse, quoi. Voilà, c'est ça, totalement innocent, et qui va faire des choses. C'est un enfant qui apprend, quoi. Voilà. Et la façon dont il lui a amené à faire le mal, pour lui disant, tu le fais bien, tu sais, quand il tue les gens, il lui dit en fait qu'ils font dodo, je crois, si je me rappelle bien. C'est ça. Oui, c'est ça. Et je trouvais ça assez intéressant, et c'est vraiment le robot, le personnage central du film, pour moi, c'est le robot, parce que vraiment, il est. Oui, clairement, oui, c'est le robot, mais je trouve qu'il est très bien accompagné, quoi. Moi, j'ai trouvé un peu trop classique ce film, pour le coup. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien qui m'a transcendé. Il est bien, il n'est pas mauvais non plus, tu vois, mais voilà, je trouve qu'il n'y a rien qui se dégage de plus par rapport. Moi, je sais pas, c'est le fait de voir un acteur de la jeune génération mélangé à un duo d'artistes que je ne m'attendais pas du tout à voir dans un film un jour, même s'il s'y prête très bien au final, plus un robot auquel on a plus d'attache que la plupart des autres personnages, plus Hugh Jackman. Voilà, c'est tout un ensemble, mélange. Ouais. Si on m'avait dit un jour tu vas voir un film avec Diane Trude et Hugh Jackman, j'aurais dit mais c'est qui se passe en plus à Johannesburg, j'aurais dit mais ça va être quoi ce film. Clairement non, je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose, d'où le fait que je le mette au même niveau que Mad Max. Ouais, ça se comprend. Vous deux, alors vous avez deux choix en commun, je crois, au-delà de Mad Max. Le voyage d'Arlo. C'est ça. Alors pourquoi le voyage d'Arlo plus que vice versa? Ça, c'est la vraie question que j'ai envie de vous poser. Moi, c'est vraiment pour le côté émotion, en fait. J'ai plus été touchée par le voyage d'Arlo que par vice-versa, en fait. Je trouve que le duo du dinosaure et du petit gamin qui est transformé en un animal de compagnie, au final, alors que, logiquement, ça aurait pu être l'inverse. Et je trouve que le duo, du coup, fonctionne très bien. On sent qu'il y a l'amitié qui se fonde au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'émotions entre ces deux personnages. Et moi, je sais que j'ai pleuré comme une madeleine, mais j'ai tout autant ri. Et je trouve que ça fonctionne très, très bien. Et je sais pas, j'ai revu plusieurs fois au cinéma et vraiment j'ai un petit coup de cœur pour ce film. J'en ai bien parlé avec toi, Dogoyer, dans un film, je me rappelle bien. Et du coup, on va dire. Je l'ai vu deux fois ce film et je voulais avoir une deuxième lecture parce que la première fois, des fois, c'est un peu erroné par tes sentiments ou le moment où tu vas le voir. Et finalement, pareil, il y a une séquence qui me fait toujours tirer l'alarme, vraiment. Il est beaucoup plus simpliste et même un petit peu copié sur le petit dinosaure. Quand je reviens là-dessus, mais il y a forcément Il y a forcément un écho. Il y a deux séquences qui sont clairement inspirées de ça, c'est sûr. Mais oui, pour moi, il est beaucoup plus simple que vice-versa. Ou vice-versa, ils étaient plus dans la... En fait, vice-versa, il a une double lecture dans le sens où il y a ce que vont comprendre les adultes et ce que vont comprendre les enfants. Parce que tu te dis, les enfants, ils vont aimer vice-versa par les personnages qui sont haut en couleur, parce qu'ils ont des formes différentes, des formes rigolotes. Mais est-ce qu'ils vont comprendre tout de suite, et je pense pas forcément, ce que correspondent les petites boules, les émotions, la mémoire à long terme. Voilà, tout ça, ce qu'ils vont assimiler, tout ça, pas forcément. Ils vont s'attacher au personnage de la petite fille, ils vont s'attacher à ces petits bonhommes dans sa tête, mais ils vont pas forcément faire la référence. Et les parents, eux, vont comprendre, comme nous, on a compris, l'envergure du film et comment ils ont, amené le système, quoi, qui est vraiment intéressant. Voyage d'Arlo, il n'y a qu'une lecture. Mais c'est toutes les métaphores, le fait que les dinosaures, donc du coup, sont devenus beaucoup plus intelligents et plus intelligents que les humains, parce qu'ils sont restés en vie, parce que l'astéroïde s'est pas crashé, et du coup, c'est comment ils ont réparti les races de dinosaures, en fait. C'est vrai. Les gros herbivores font l'agriculture, donc c'est un peu les paysans du... Et puis on avait comparé ça au western, parce que les T-Rex sont les cowboys, il y a tous les codes du western qui sont amenés dedans, que je trouvais ça hyper intéressant, hyper marrant. Mais voilà, les personnages sont hyper attachants, la musique que j'avais trouvée vraiment très jolie aussi, et le photoréalisme qui est pour moi la claque. Je pense qu'on avait atteint un palier là un palier ouf quoi, avec celui-là, parce que t'avais l'impression d'avoir des vrais décors, quoi. L'eau, le vent, les nuages. J'avais lu à l'époque, c'était vraiment la première fois qu'ils créaient des nuages aussi réalistes. Ou dans les premiers Pixar, ou dans Toy Story par exemple, c'était juste des calques qui avançaient. Alors là, il y en a une profondeur, il y a vraiment... Et il est vachement poétique, en fait, je trouve, ce film. Il a un côté assez... un côté un peu irréel par moment. T'as l'impression de te dire dans quel monde on est, en fait. Ouais. Et voilà. Après, voilà, moi, j'ai kiffé. J'adore les dinosaures aussi. Donc, voilà. Oui, c'est voilà, évidemment. Mais je n'ai pas mis Jurassic World en 1. C'est vrai. Bravo. En 10, pour ceux qui... Je l'ai quand même mis. Mais voilà, Voyage d'Arlo et puis Pixar, parce que pour moi, Pixar, c'est les kings pour l'instant de l'animation.
Donc Hugo, tout de même, en numéro 2, t'as mis The Visit de M. Night Shyamalan. J'adore Shyamalan, enfin j'adore. Il y a des films de Shyamalan que j'adore. Très clairement, l'un des premiers films, je dirais, ouais, d'horreur, d'épouvante que j'ai vu, c'est The Village. Qui m'a clairement laissé comme ça. Et t'as pas aimé It Follows? Non. Non, mais t'as aimé The Village, oui. Mais t'as pas aimé. Je trouve ça bizarre. Ben, c'est comme ça, que veux-tu? Non, It Follows, non, j'ai pas du tout accroché. En revanche, voilà, j'ai vraiment le premier film qui m'a foutu les jetons, c'est The Village. Je devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça. Tu m'étonnes, ça doit être retourné. Et là, je lui ai dit, donc, il a l'air bien ce DVD-là, on va le prendre. Et ben, j'ai un peu regretté après. Et puis au final, j'ai pas regretté du tout parce que voilà, j'ai vu tous les films de Shyamalan, enfin quasiment tous ses films. Et il y en a des très très bons. Bon, il y en a des beaucoup moins bons, évidemment. Il y en a des très mauvais. Même très mauvais. Moi, je suis très fan. C'est-à-dire, j'aime beaucoup ce que fait Shyamalan. Et il y en a deux qui sont horribles. Le dernier maître de l'air. Super. Voilà, c'est surtout celui-là. Après, il y en a qui sont plus polémiques, on va dire. Mais, mais en tout cas, là, ce retour à une espèce de cinéma qui mélange à la fois beaucoup d'humour avec le jeune garçon qui est... De rap, voilà, qui m'a beaucoup plu, et puis cette jeune fille qui, voilà, je vais éviter peut-être de spoiler tout, mais tout ce qu'il apporte au niveau des personnages et la solution qu'il va apporter avec. Donc pour raconter un petit peu le film, la jeune fille qui ne supporte pas de se voir dans un miroir, qui va devoir se regarder dans un miroir pour voir la personne qui l'attaque, et ce jeune garçon qui ne supporte pas les microbes et qui va devoir avec se une retrouver scène... voilà. En couche-culotte. Voilà. Enfin, tu peux spoiler, on est en 2016 maintenant. Voilà, c'est bon, je peux spoiler, donc qui va se retrouver avec une couche du grand-père incontinent sur le visage et qui ça va le débloquer psychologiquement parce que, bien évidemment... Ah bah après, ça débloque psychologiquement, voilà. Putain, ça, tu m'étonnes. Et c'est ce qui apporte la solution, et certains m'ont dit que ils pensaient que l'horreur allait monter encore plus, mais moi je trouve que c'est très bien amené. Il y en a qui s'attendaient vraiment à un peu plus de violence, et le fait de voilà d'utiliser la faiblesse des personnages, de ces deux personnages, comme une au final une force, et ben c'est ce que j'ai trouvé vraiment de très très intéressant, en plus du retournement de situation que là par contre je vais pas raconter, vous l'éviter. Voilà. Et le couple de grands-parents est vraiment à la fois très attachant et très traumatisant. Ils sont flippants. En fait, l'horreur, il est là, je rebondis sur ce que tu dis, l'horreur est dans l'incompréhension, en fait. Moi, voilà. Quand j'étais voir The Visit, j'attendais forcément, mais quand je suis sorti du film, je l'ai apprécié, on a vraiment kiffé le délire total, quoi. Mais je m'attendais tout sauf à ça, quoi. Mais c'est Shyamalan, c'est le sixième sens. C'est même The Village, c'est voilà, tu t'attends pas, et des fois ça peut arriver à la dernière minute du film. Là, ça arrive quoi, 40 minutes avant la fin. Ouais, c'est ça. Cette espèce de retournement de situation, et j'ai adoré même l'image, le décor où ça se passe, cette espèce de vieille maison. Enfin, c'est clair que j'ai pas du tout envie de vivre dans une maison comme ça, très clairement. au milieu des bois. C'est les Gretel avec le four qui était quand même voilà. Extra. Et puis il y a cette espèce de pression, voilà, comme tu dis, la scène du four où elle la fait rentrer deux ou trois fois dedans. Il se passe jamais rien. Et il se passe absolument mais rien. C'est ça, parce qu'en fait, il y a un moment où tu dis ah, ça y est, ça va être flippant, ça va être flippant. En fait, bon. Il se passe rien. Et juste avant, t'as genre la scène. Enfin, moi, je sais que cette scène, je m'en souviendrai toute ma vie. Quand ils sont sous la maison en train de jouer, t'as la grand-mère qui passe comme ça, c'est genre... La première scène qui est vraiment dérangeante. Mais moi, je sais que cette scène-là, j'ai flippé, mais juste après, j'ai rigolé quand elle ressort et qu'elle a la culotte... Voilà. Le cul à l'air, quoi. On passe d'émotions vraiment d'angoisse sous cette maison. Tu dis, ils sont enfermés, putain, ça fait 20 minutes que le film a commencé, c'est bon, c'est foutu. Et non, au final, 5 minutes après, tu te marres parce que voilà, la grand-mère finit... Puis même ce qui était dans la bande-annonce jouait le faux pas d'ailleurs sur ça, où tu vois la grand-mère qui gratte à la porte et qui tape un peu partout de nuit parce que insomniaque, tu vois, entre guillemets. Et puis les espèces d'explications psychologiques qu'ils essayent d'apporter à la grand-mère qui devient folle la nuit tombée. Je me suis renseigné, c'est une maladie qui existe vraiment en plus. Comme quoi ils se sont pas fait chier. Et voilà, ces espèces de grands-parents aussi sont vraiment très intéressants parce qu'à la fois, tu te dis, ouais, c'est des grands-parents, ils commencent à devenir un peu fous avec l'âge, ouais, c'est normal. Sauf qu'au final, voilà. c'est très bien amené. Cette espèce de, ils veulent nous rassurer tout le long du film pour qu'au final, bah, ça finisse mal. Oui.
Non, c'est vrai que The Spider-Man, c'était très bien fait. Donc, je rebondis ensuite sur un choix que vous avez eu tous les deux. Alors, toi, que tu avais déjà évoqué, Fabien, dans le top 3 de mi-année, mais qui là revient chez vous deux, et c'est tout de même intéressant. The Voices, de Marjane Satrapi. Sing a happy song. Je l'ai en tête. Hein. Donc, et ben vas-y, commence Capucine. Donc, The Voices, ça t'a vraiment marqué. Ouais, alors en fait, c'était une vraie surprise. Enfin, quand je voyais la bande-annonce, j'ai dit, oh, ça peut être délirant et tout ça, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait le côté vraiment psychologique du personnage derrière. Et du coup, ça m'a surpris. Et j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est la présence des animaux qui viennent apporter donc ce côté aussi psychologique, ils font réfléchir. T'as le méchant avec Monsieur Moustache, et donc je sais plus comment il s'appelle, le chien, donc le gentil. Et toujours, ça nous mène aussi à nous poser nos questions, genre avant de faire un acte, est-ce que c'est bien si je le fais ou est-ce que c'est pas bien. Enfin, on a tous, je pense, notre Monsieur Moustache et notre chien. Comment on y réfléchit, en fait, c'est ça. Est-ce qu'on y réfléchit déjà? Puis, enfin, Ryan Reynolds, il est juste magnifique dans ce film, et il m'a beaucoup surpris. Je m'attendais pas à le voir un jour dans ce genre de métrage, et complètement décalé, et il assume complètement, et... Vraiment, t'as super bien. Et puis jouer un bonnet tellement extraordinaire en fait, parce que c'est quelqu'un qui a eu un choc en étant jeune suite à la mort de quelqu'un, donc sa mère dans l'histoire, et en fait il va se demander pourquoi il se sent le besoin de tuer les gens, parce que ça lui fait du bien en fait de tuer les gens, parce qu'il croit que ça va être bien pour lui. Et dans ce film, ce qui était intéressant, c'était tout ce côté, comment ils l'ont amené du fait que lui voit le bien partout. Donc physiquement dans son appartement tout est beau, tout est propre, il range dans des tupperwares, les gens qui découpent, je trouve ça énorme. Et comment et la triste réalité en fait, quand il invite les filles chez lui pour boire un coup, voilà, on voit que c'est juste une maison d'un gros psychopathe quoi. C'est ça. Et c'est vrai que quand la psy elle rentre et là que tu vois vraiment la réalité, tu dis waouh, c'est vraiment ça son appart, ou c'est genre c'est dégueulasse quoi. Et la bivalence psychologique et la bivalence physique de là où il vit était juste, je trouvais ça juste intéressant. Et puis il y a c'est une comédie noire où il y a des côtés très horrifique. La première fois où il tue Gemma Interton, et c'est assez trash d'ailleurs. C'est trash, mais c'est rigolo. Mais c'est rigolo. Mais juste... qu'il dit I'm sorry. Parce que juste avant, il l'a vu avec une grosse auréole, genre c'est un ange dans sa voiture. Et franchement, moi j'ai adoré ce film. Et puis je trouve que si je me rappelle bien, elle s'est battue pour faire ce film, Marjane Satrapi, parce qu'elle était assez dure. Mais en plus, elle n'a pas écrit du tout le scénar, je crois. Elle a juste réalisé le film, elle l'a produit avec des producteurs français, parce qu'en plus, c'est. C'est le Pacte et The Jokers quoi, qui distribuent le film en France. Oui. Donc non, elle s'était vraiment battue parce que à base, les Américains voulaient vraiment garder le projet. Ils voulaient vraiment faire un truc ultra aseptisé et insipide. Et elle s'est vraiment battue pour que ça soit vraiment un film avec du style et de cru, la gueule. Cru, ouais, vraiment cru en plus. Et, ça, et même le casting des animaux, parce que ce sont des vrais animaux qui ont été retravaillés parce qu'ils parlent forcément. Mais ça, c'est hyper bien fait, je trouve ça vraiment très propre. Et comme quoi, visiblement, c'était une galère de tourner avec le chat parce que le chat était ultra chiant. Autant le chien, visiblement, ça allait, mais le chat était insupportable. Que je peux comprendre, voilà. Et mais juste pour un générique de fin, mais ça devrait être la chanson de l'année, le tube de l'année, c'était celui-là. Hey, la reprise de. Je sais plus quel groupe c'était d'ailleurs, donc Happy Song de. Je sais plus quel groupe, mais voilà, donc moi j'ai... Je vais pas voir les têtes se balader comme ça dans la pièce, genre « Hey, tu me donnes des séries alors que c'est juste une tête !» C'est pas faux, oui. Mais c'est bien fait, voilà, c'était fun. Très bien, et puis on va rebondir sur un dernier choix qui je trouve est intéressant parce que c'est un film un peu particulier. Les Dissociés, Hugo, voilà, qui n'est pas sorti des Suricates, réalisé par Raphaël Descraques. C'est ça. Donc, pourquoi Les Dissociés? Déjà, comme j'ai expliqué, parce que c'est pas un film qui est sorti au cinéma, mais il a eu quand même un énorme impact, on le voit devant beaucoup de tops en cette fin d'année. Et voilà, parce que ça apporte déjà cette nouveauté, on a le droit à un film français qui ne soit pas produit, qui ne soit pas sorti au cinéma, mais qui est quand même de très très bonne qualité, il faut le dire. Bon, on sait que les Suricates font un travail quand même depuis un certain nombre d'années qui est vraiment très très bon. Et là, on a le droit voilà, à un long métrage d'une équipe. On voit qu'ils sont soudés, les acteurs sont tous géniaux, clairement. L'équipe des 3 sur 4, plus tous ceux qui sont autour, qui gèrent très bien leurs personnages. Au final, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne s'attendaient pas à un film, mais plus à un long sketch. Et non, c'est vrai, du début à la fin, c'est un film, c'est vraiment la création d'un univers. Voilà. D'où le fait que la communication, ils ont joué un petit peu sur ça avant qu'ils sortent en disant mais non, c'est juste un long sketch. Non, oui, c'est ça, ils avaient joué. En gros, ils avaient dit c'est notre saison 3, donc voilà, ça serait un très long sketch de 1h20. Voilà. Non, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film. En plus, l'histoire est vraiment très intéressante et très bien amenée et très bien expliquée aussi, parce que ça aurait pu rester flou. Et non, au final, je trouve que c'est bien expliqué, il n'y a pas de. On se pose pas de questions, quoi.
Clairement, alors que pourtant c'est un peu compliqué cette histoire de dissocier et de. Ça peut être compliqué, mais je trouve c'est vrai pour avoir vu c'est le film, c'est plutôt bien amené quoi. Voilà. C'est vraiment c'est assez condensé, je crois. Ils expliquent ça en à peine 10 minutes. Voilà. Et c'est tout le long du film au final qu'ils vont. Bah, au final, moi ça m'a vraiment fait penser à un scénario très classique de cinéma, presque à Star Wars quoi. C'est vraiment l'histoire de deux mecs qui vont se retrouver dans un univers qui les dépasse complètement, qui vont apprendre à connaître l'univers, qui vont se former, qui vont devenir les meilleurs parce que c'est les élus, parce qu'ils vont aider tel personnage qui elle est supposé être le messie. Et non, c'est vrai que de ce point de vue il y a un côté très Matrix, moi j'ai trouvé dans. Et ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est que voilà, clairement ils sont pas catégorisés comme acteurs, et le fait d'avoir choisi des gens autour d'eux, enfin, qui jouent avec eux et qui sont eux des vrais acteurs, je pense à Baptiste Le Caplain par exemple. Oui. Voilà, c'est. Je trouve ça très très intéressant. C'est du cinéma, ils font du cinéma, maintenant ils peuvent le dire. Je pense que clairement, ils peuvent se pointer à Paris et dire on est cinéaste. Pour ça, ça m'a beaucoup plu. Et pour tout l'univers, ce grand n'importe quoi, parce que c'est aussi du grand délire, ça m'a fait marrer du début à la fin. C'est un très très bon film. Et une mention spéciale à celui qui joue le méchant Milo. Alors, je sais plus le nom de cette personne là, et j'adore la gueule qu'il a. Clairement, voilà. Et je pense que ce sera l'un des premiers aussi de. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont. J'espère sincèrement que l'un des premiers a été Kung Fury et qui a enchaîné plein d'autres idées et qui a permis à plein de films comme Sergueï Prakov ou Les Dissociés d'avoir une seconde vie sur Internet. Je pense que Les Dissociés est une étape. Dans la production du visuel française, j'entends, parce que dans la production du visuel sur YouTube, il y a déjà eu Kung Fury, mais Les Dissociés sont une étape dans la production du visuel française. Pour faire un petit écho avec un film qui, lui, a été produit et sorti au cinéma, c'est Commencer loin de Orelsan. C'est ça. Qui m'a aussi beaucoup plu. Bon, je ne l'ai pas mis dans mon top 10, mais il m'a quand même beaucoup plu. Et c'est un peu pareil, on a une émergence de personnes qui ne sont pas à la base cinéastes du tout et qui rêvent à faire du très bon travail. Enfin, Commencer loin, j'ai beaucoup aimé. Orelsan et Gringe sont géniaux, j'adore la musique qu'ils font. Et voilà, j'étais content de voir ces deux films-là, deux films français en plus. Non mais c'est vrai quoi, on a une nouvelle génération de cinéastes, ou en tout cas d'auteurs, qui ont envie d'aller beaucoup plus loin. Ça me rassure de voir ça par rapport à ce qu'on a vu, certains films français, même si je trouve que cette année on a eu des bons films français. On a eu aussi des très mauvais films français. Au niveau comédie, je trouve qu'on a eu plus de mauvais films cette année que de bons films. En fait, on en a toujours des mauvais, mais cette année, c'est vrai, il y en a eu des meilleurs. Il y en a eu des meilleurs, clairement. Vraiment des catastrophes aussi cette année. Juste pour placer un petit pic, parce que je vois beaucoup de tops, Mon Roi, je pense que je finirai avec ça. Non, Mon Roi n'est pas un bon film. Voilà. Très bien. J'ai pas d'audition. Non, je suis désolé, mais j'ai pas du tout accroché. Très bien. Et ben, je vous remercie d'avoir tous fait ce petit top. C'était très intéressant. Il y avait plein de choix surprenants et vraiment mystérieux, j'ai trouvé. Donc, c'était plutôt bien. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé. Donc, vous nous refaites chacun rapidement vos tops. Hugo ? En top 5, We Are Your Friends pour la surprise. En top 4, Les Dissociés pour la surprise. En top 3, donc à égalité, Mad Max et Chappie. En deuxième, The Visit, parce que Shyamalan. Et en premier, Star Wars, parce que Star Wars. Capu. En 5, The Voices. En 4, Agents très spéciaux, Code Uncle. En 3, Le Voyage d'Arlo. En 2, Mad Max, bien sûr. Et en premier, Kingsman. Donc en 5, Le Voyage d'Arlo. En 4, It Follows. En 3, The Voices. En 2, Birdman. Et en premier, Mad Max. Très bien, on va comme ça, vous êtes au courant, vous êtes sûr, vous les avez bien notés, vous savez ce qu'il y a. Non, Aladdin. Ah oui, évidemment, je ne l'ai même pas vu. J'avais oublié ce grand chef-d'œuvre de cinéma. Donc voilà, je vous remercie, c'était très gentil de passer. Cela conclut cette série de top. À partir de la semaine prochaine, on reprend les vidéos normalement, comme d'hab. On commencera avec Fabien, qui viendra faire un petit tour sur la chaîne, comme d'habitude. D'ici là, je vais vous dire d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Ciao. Salut.